Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour l'épisode 8 de Magistilus. Donc on continue gentiment trame de l'histoire. Et donc on va commencer avec l'équipe de Reggae. Du coup, quelle étoile va être présente là-bas? À mon avis, ça risque d'être une alpha ou une bêta, voire peut-être les deux. Ce qui paraît assez particulier quand même. J'espère que tout va bien pour la Swell malgré ce qui est arrivé à Rain. Ne t'inquiète pas, il faut que tu crois en tes fils maintenant. Le problème n'est pas que je ne crois pas en eux ou que je ne m'inquiète pas pour eux. Tu devrais le comprendre mieux que personne, n'est-ce pas? Je crois bien, oui. Je crois bien que oui. Moi aussi, j'ai confiance en mes filles, mais j'ai peur d'imaginer quel genre de petits amis elles leur ramèneront à la maison. Moi, j'inquiète déjà pour ça, mais sans déconner, quoi. D'accord, il revient après 700 ans. Et finalement, il retrouve sa fille. Et sa première. Du coup, il en adopte une seconde, finalement. Et le truc qui a le plus peur, c'est qu'est-ce qu'il a ramené comme petit copain, quoi. Oh là là, mais il est tellement des années lumière. C'est la problématique du monde. Bon, bien qu'il participe pour essayer de résoudre le problème. Il est tellement des années lumière, là. Ouais, du coup, il faut que je m'occupe de renommer un petit peu mes épisodes. Enfin, ça va pas être très long, mais. Deux fois le feu. Pas de magie, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je pense que je verrai le règne éveillé pour ça. Voilà, du coup, profiter de ce petit layout. Ça doit être la dernière fois que ça le voit. Un détail. Je vais en avoir, du coup, comme je disais, on va avoir finalisé qui vont être remplacés par leur version de saison 2. Et puis il va y avoir aussi une évolution sur les stats de tout le monde aussi, puisque depuis le temps il y a quand même eu des évolutions plus ou moins importantes. Donc on va tâcher de faire ça comme il se doit. Ouais, ça fait très primaire comme vengeance, hein, mais au moins c'est là.
Magie verte, ok. Ramu. Ramu est nulle part. Mais bon, est-ce que je vais avoir le temps de l'évoquer, même si je le mets? Ah, à mon avis, non. On va tenter. On le croit ici. Ah, quoique non, c'est par rapport à ce que je veux faire, je peux pas partir avec ça. Hop. Voilà, ça sera un peu mieux. Bon, magie verte, ça sera bon. La chimère, j'espère que oui. Et le petit dernier, je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Tu es inquiète pour Regan? Oui. Il avait le même air que d'habitude, mais je suis sûr qu'en fait il se sentait tourmenté à l'intérieur. Regan nous a aidé tellement de fois, on lui doit l'appareil. Tu as raison. C'est pas de continu donc là, je le tranquille. Ça va, j'avais peur, mais ça va, ça passera. De l'orbe. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Voilà, on profite un petit peu pour revoir un peu toutes les scènes. Bon, du coup, est-ce que après, il n'y en a plus qu'une de mission ou est-ce qu'il y en aura deux? C'est la grande question. Ah, avec de la chance, il y en aura deux. Terrible, genre ça. Des magies. Répétir.
Voilà, ça c'est fait. Cristal sacré, c'est cool. D'Oberon. Poudre trois fois, bon ben. Ok. Poudre trois fois, bon ben. Je vous dis, c'est que ça va pas être exceptionnellement compliqué. Ah, ben, une petite scène, ça c'est cool. J'adore les petites scènes. Tu t'inquiètes pour Egen, toi aussi? Oui. On a parlé avec Citra et décide d'être là pour le soutenir. Moi, je m'inquiète pour l'éclat de ses cheveux. Quel genre d'entretien fait-il pour les garder comme ça? Peut-être que tu ferais mieux de lui demander directement. Oh là là. Mais pareil, Sigard, il est dans des années de lumière. Des problématiques. Ah putain. Répétit. Je pense que... Ah oui, mais dis donc, ouais, suivant les... C'est fou, quoi, suivant les... Je refais des rotations. Allez. Tout va pour le J'arrive. Je crois que nous nous sommes débarrassés de tous les soldats qui occupaient la centrale. Il ne reste plus qu'à attendre que la Swell et les autres secourent le roi Yashka. Pauvre roi Yashka. Espérons qu'ils ne l'ont pas apprivoisé. Ignacio, comment peux-tu dire une chose pareille? Et pourquoi pas? Si j'étais fait prisonnier et qu'on m'offrait un bon gueuleton, je me laisserais apprivoiser avec grand plaisir. Aucun guerrier peut résister à une bonne. Parle pour toi. Ne vous laissez pas distraire. L'unité d'infiltration va sûrement revenir pour se réemparer de la centrale. Les soldats de Gungan ne peuvent pas quitter la ligne de front. Il va falloir que nous protégions cet endroit de toutes nos forces, jusqu'à ce que le roi soit délivré.
entendre. Pas ce supplice. La larme de l'origine se trouve au fin fond de cette forêt. Pigé. Attends-moi, Jake. Je promets de te sauver. Elide, quelque chose me dit que nous ne sommes pas seuls ici. Bon, ça va. Qu'est-ce que... Le roi Yashka? Non. Il lui ressemble, mais ce n'est pas lui. Qui êtes-vous? Je suis Juraga de l'étoile nue. Ah, ben le voilà! On l'avait pas encore vu, on avait entendu parler, mais on l'avait pas vu. Le frère aîné de Yashka. Oh, oh non! Oh la vache! Comment? Le roi Yashka est votre petit frère? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Par ordre de l'empereur, tu ne passeras pas. Absolument désolé. Je suis désolé, mais il le faut à tout prix. Dans ce cas, il te faudra mourir. Pardon, Kunshira. Je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre. Ne t'inquiète pas pour moi. Notre priorité est de trouver un remède pour Jake. Et comment sommes-nous supposés vaincre un membre de l'ordre à nous deux? Oh punaise, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, c'est parce que j'ai revu Lite, c'est pour ça. L'émotion, sûrement. Souhaite-moi bonne chance, Jake. Ah, voilà, la terre interne. Ça va, il y aura assez d'endurance pour nous. Allez, hop. Essayez de penser à couper le micro, hein, pour jusqu'à la fin. Surtout qu'avec un bras, c'est une touche, quoi, sur laquelle appuyer. Donc, y a pas de raison que pas le faire en temps. Ce pays a besoin du roi Yashka. Je le sauverai coûte que coûte, quel qu'en soit le prix. Je vois ce que tu veux dire, mais ne te précipite pas. Si tu venais à mourir, le roi ne s'en remettrait pas. Je comprends. Bon, ben voilà, première mission classique, pas si beau. Qui qu'on va voir? Est-ce qu'on va revoir du coup Io? Agnès Rain, qui après avoir fait une passe d'armes avec son père, va faire une passe d'armes avec son meilleur ami. C'est la grande question. Parce que du coup, ouais, de savoir un petit peu le boss de fin d'une zone, si c'est un adversaire particulier ou pas, ça je le regarde pas. Si je regarde un peu des trucs pour me faciliter, on va dire, des choses, principalement c'est juste du coup les explorations de ville pour tous les objets et les endroits où il y a les quêtes, et les explorations des lieux aussi pour
faciliter tout ça. Sinon, après, le reste, c'est juste, je vois le nom des zones qu'il y a dans les ajouts, dans l'histoire, et pas plus loin. Donc, en vrai, là, je ne sais pas qui est à la fin. Ah, est-ce que là... Là, de ce que je pressens, c'est genre des retrouvailles avec Lead. Feu lumière. Ça passe crème. Voilà. Rain. Lumière, ça courra. Là, j'ai eu un moment de bug. Si on s'est imposé entre Lid et Juraga, à un moment donné, pour dire « Arrête, c'est le truc, c'est un voyage qui arrive plus là. » Non, c'est pas vrai, sans freiner. Les autres, comment ? Et puis, to be continued. Voilà, je vois bien ça. Je vois bien quelque chose comme ça. Après... De toute façon, on va le savoir assez vite si c'est vraiment ça ou pas, mais... Coucou, techniquement, non, ça peut pas être ça, puisqu'ils sont censés partir de récupérer le roi. Donc, ils sont pas censés être exactement au même endroit géographiquement, a priori. Mais ils sont capables de tout, donc on sait jamais. Peut-être blessé quand même l'autre. Oui, tiens, d'ailleurs, c'est que je regarde mon fiche. Les deux chimères là, je les aurais pas du tout, donc je vais pas chercher à les faire clairement. Là, clairement, je vais pas chercher à les faire. Je sais que j'ai pas. Je change la team pour ça. Ah, oui, voilà, c'est ça. A priori, on n'a pas... Je sens que le roi est tout près. Nous devons nous trouver à proximité de l'endroit où il est emprisonné. Quel nez, Wado ! Ne pense même pas à me caresser la tête, me tartouiller derrière les oreilles ou quoi que ce soit. Nous n'avons certainement pas le temps pour ça. Ok ! Direct, boum ! Ok, j'arrive. D'accord, ouais, c'est dissemblé, donc ok. Donc du coup, a priori, si c'est bien aujourd'hui qu'on a la maintenance, on devrait avoir la suite de l'histoire. Je dis bien on devrait, hein, parce qu'ils nous ont fait le coup une fois que par rapport à d'habitude, c'est arrivé avec une semaine plus tard.
Et du coup, ça m'arrange pas. Là, pour le cas présent, ça m'arrangerait pas plus que ça. Mais bon, si ça doit être le cas, ben tant pis. La chimère, j'ai retourné de mon côté tout seul, gentiment. L'ombre bat. Magie noire, pas de chaos, pas de continu. Hop, là on y croit, on y croit. Allez, un petit cigare. Ah. On va croiser quelqu'un. Ou quelque chose. J'ai cru que j'allais avoir 3 ennemis pour le dernier combat, puis ben finalement, non. Allez, le drama. Quel drama va arriver pour Yashka? Ah, effectivement, rien à voir. Votre Majesté, n'approchez pas, c'est un piège. Grrr. Le responsable se cache certainement dans les angles. Restez sur vos gardes. Votre Majesté, Wado, tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Le peuple de Gungan est intelligent. Il n'a pas besoin de ma présence pour aller de l'avant. Ma vie ne vaut rien face à notre pays et à ses habitants. Ne prends pas la mauvaise décision. Votre Majesté. Ah, Nagi! Si le roi est déjà préparé au pire, je ne vois pas l'intérêt de faire durer le suspense plus longtemps. Mon plan était de tous vous imiter Tunko une fois que vous seriez approché de lui. Mais tant pis. Nagi. Alors c'est toi qui étais derrière tout ça. Laswell, laisse-moi mettre les choses au clair. À quel sujet? Iyo ne retournera jamais de ton côté, tu m'entends? Il est à moi maintenant. À moi! Ah ah ah! Dommage, hein? Si tu le dis. Hein? Ça ne te fait pas réagir? Ah, j'ai compris! Ça prouve que tu ne tenais pas tant que ça à lui. Si les humains sont bien doués pour une chose, c'est abandonner. C'est bien, tu connais ta place. Je n'ai rien abandonné. Cependant, j'en suis venu à comprendre et à accepter la façon de penser de Rey. Quoi? Tout comme lui aussi, comprend et accepte la nôtre. Qu'est-ce que tu racontes comme absurdité? Vous êtes ennemis, je te rappelle. C'est justement parce que nous nous acceptons l'un l'autre que nous sommes devenus ennemis.
Mais j'imagine que tu ne peux pas comprendre. Tu te moques de moi ? Je comprends mieux que quiconque. Je comprends mieux que personne d'autre dans le monde entier. Notre lien est bien plus profond que tout ce que tu as pu vivre avec lui. Nous nous sommes promis de rejoindre l'ordre ensemble. Jusqu'à la fin, il n'a jamais cessé de veiller sur moi. C'était le plus gentil, le plus fort et le meilleur grand frère au monde. Nagi, de qui parles-tu ? Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Ne me prenez pas, Io ! Je vais tous vous tuer ! Aïe, 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 il a pété son moulin. Avec... Magie, c'est noté, pas de problème. Ça sera fait. Il en sera fait selon votre désir. Du coup, je pars avec Kid Bo, là. Le choix, il n'y a pas trop de choix. Enfin, on va partir avec une petite Ayaka. Hein, à défaut d'avoir mieux. Mais j'ai ça parce que j'ai des Yu à plus de 2000 de force. Ouais, ouais, aucune logique, on est d'accord. Io est tout à moi, je ne te le laisserai jamais. Je ne veux plus jamais le perdre, alors je vais le protéger. On dirait que Nagi a pris Rain pour quelqu'un d'autre. Oui, tu as raison. Io est mon frère, je ne permets à personne de me le voler. Ouais, il a fait vraiment un complexe. Alors, on va commencer, on va faire... Alors, ici un full buff. Ici un petit examen. Petit examen de routine, hein, un ennemi méchant. 1 850 000, une résistance haut. Ok. Bah, tu te montres, hein, à la position défensive. Aussi. Alors, on a dit protection. La protection, ça c'est bien. Bon, ça pas servir à grand chose, mais ouais, c'est là.
Bon, ben, écoute, Nagui, est bien mignonne, mais bon. J'y ai présente. Très bien. Qu'est-ce que tu vas nous raconter de toi encore, et ça? Eh bien, Io va débarquer justement, exprès. Ah oui, en mode... Ah d'accord, tous les trucs de ce qu'il fait, j'ai... D'accord, très bien. Bon sang, je vais vous laisser en vie pour cette fois. Mais la prochaine... Je sais. J'emmènerai Io avec moi et nous vous tuerons tous autant que vous êtes. Hommes, femmes et même enfants. Vous ne perdrez rien pour attendre. Votre Majesté! Veuillez me pardonner, je vous ai causé bien des ennuis. Ne dites pas ça, je suis rassuré de vous voir sain et sauf. Merci à toi aussi, Wado. Inutile de me remercier. Si j'avais su vous protéger, jamais vous n'auriez eu à subir une telle épreuve. Tu te trompes, je ne saurais confier ma vie à nul autre que toi. Je ne mérite pas tant de bonté, sire. Nagui a dit qu'elle reviendrait avec Rain la prochaine fois. Oui. Mais je n'ai plus peur de devoir me battre contre lui. Je vais sur la voie à laquelle je crois, sur mon cœur. Ainsi, mon épée frappera avec justesse et droiture. Tu as raison. La Swell, tu ne cesses de me surprendre. Tu as courageusement surmonté de bien douloureuses séparations avec Axtar et Rain. C'est parce que vous étiez tous là pour moi. Et Physalis aussi. Ma rencontre avec elle m'a peut-être plus apporté que je l'aurais jamais imaginé. Ah ben ça doit aider. Bon, on va voir transposition, on va revoir... Ah non, d'accord. Côté de... Physalis, arrête. Je t'en supplie, oublie cette idée folle. Je te l'ai déjà dit, Mok. Ma décision est prise. Si ça tourne mal, il ne faudra pas venir te plaindre. Tu peux rentrer si tu veux. Je suis assez grande pour me débrouiller seule. Ne dis pas de bêtises. Comme si je pouvais t'abandonner à un moment pareil. Si ça tourne mal, il ne faudra pas venir te plaindre. Oh, arrête de me copier. D'accord, ça peut avoir Rain, ok. Il va bien voir Regen à un moment donné pour savoir un petit peu... Non.
Votre Majesté, il faut que je vous parle de quelque chose. Qu'y a-t-il, fils Alice ? En tant que future prétendante à l'étoile Alpha, je voudrais vous faire une proposition. Nous parlerons une autre fois d'une éventuelle promotion. Qu'as-tu donc de si important à me dire ? Que penseriez-vous de revoir votre politique totalitaire afin de mettre un terme à la guerre contre S ? Je te demande pardon ? Voyez-vous ? C'est normal ça ou quoi ? Non, ça peut pas faire ça maintenant. Le jeu, tu peux pas faire ça maintenant. Non, pas toi. Oh. C'est pas vrai, louper une scène pareille, quoi. Bon, on va essayer de voir. On va essayer de voir. Alors. On va voir. Non, là, j'ai rebasculé sur le téléphone. Ça fait pareil. Oh punaise, il faut relancer quoi. Ah, je sais pas ce que ça va donner en plus. Donc, hop. Alors. Voilà, alors hop. Ok, là c'est bon, je suis revenu là-bas. Je reviens d'ici. Si ça veut bien. Oh punaise, c'est pas possible! Allez! Bon. On va rouvrir. Voilà, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Les choses sont faites par un pro. Tout va bien se passer. Ok, ça revient de là. Voilà, vous entendez. C'est présent. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère qu'on aura la suite, la fin quand même de la scène. Sinon, je. Mais même pour moi, personnellement, quoi, ça me frustrerait, quoi. Bon, normalement, les choses sont bien faites, donc. Ça devrait reproposer le. De voir la scène, mais. J'ai aucune garantie dessus. J'ai désolé pour cette
pour cette durée excessive. Il n'aurait pas dû être présente, mais bon. Non, mais il y a un problème là. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il. Qu'est-ce qui arrive? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? D'accord, il est ressorti, il a rage quitte. Qu'est-ce que tu fais, le jeu? Oh, il y a encore Ashkid, mais non. Je vais essayer de régler ce problème. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je vais essayer de vous proposer cette affaire. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je veux pas. Qu'importe ce que c'est, la finalité, quoi. Si j'ai pu avoir la fin ou pas. Hein, clairement, c'est. Dans l'idée, limite, je m'en veux. Enfin, je m'en veux de ce qu'il me raconte, quoi, limite, mais que. Bon, de me faire aborder qu'il me dise soit j'ai droit à la scène, soit j'ai pas droit à la scène. Mais pas qu'il me fasse un entre-deux, quoi. Parce que là, c'est juste n'importe quoi, je veux plus jouer. C'est quoi son délire? Alors, est-ce que ça me fait pareil sur la tablette? Parce qu'à la limite, si ça me le fait pas sur la tablette, ben, je passerai sur la tablette. Ouais, je vais quand même couper le son de truc.
D'accord, alors pourquoi? Alors sur la tablette, j'y suis. J'ai peur de d'ouvrir là. J'ai peur. Là, je vois un truc, j'ai peur. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai peur. Alors, pour l'instant, je ferme ça. Je vais voir si j'ai si j'ai le je sais pas ce que je vais voir en fait puisque du coup j'ai lancé le truc mais je sais même pas qu'est-ce qu'il va me montrer. Donc à la limite si c'est des scènes je referai le switch. Ouais, c'est ça. Alors du coup il faut que j'épure tout ça. D'accord, ok. Ça, on s'en fout. On a dit touk 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 touk. Il est. Je sais. Donc, on a dit. On quitte. Voilà, ça on le quitte. On le rouvre. Par contre, du coup, ça risque de peut-être de rendre moche le montage. Oula, ah oui. Oh, ah, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse, mais pas le choix. Touk, 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 où c'est que c'est? Voilà, un petit message du ticket, c'est trop bien. Voilà, alors, hein, comme je vous l'ai dit, là c'est tout dégueulasse. Attends, c'est au-dessus. Oh.
Alors, pour tester un truc. Alors, attention. Ouais, ça. Alors, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop dégueulasse. Ah, ben j'ai pas droit de, j'ai pas droit à plus. Bon, ben tant pis. Bon, ben désolé pour cet affichage, mais je peux pas faire mieux malheureusement. Non, ça va, c'est gentil. On reprend là. On va refaire la discussion avec l'empereur entièrement. Du coup, tant pis. Votre Majesté, il faut que je vous parle de quelque chose. Qu'a-t-il, fils Alice ? En tant que future prétendante à l'étoile Alpha, je voudrais vous faire une proposition. Nous parlerons une autre fois d'une éventuelle promotion. Qu'as-tu donc de si important à me dire ? Que penseriez-vous de revoir votre politique totalitaire afin de mettre un terme à la guerre contre S ? Je te demande pardon ? Voyez-vous, j'ai réfléchi à pas mal de choses ces derniers temps. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. Affirmer que le pays est en paix quand on emploie la violence et la terreur pour maintenir son règne. C'est plus ou moins de l'arnaque, non? Bog? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Parce que l'empereur ne répond rien. Adieu, courte vie. Il manquait juste ça, quoi! Non, mais le pire truc, quoi! Il manquait que ça! Non, mais sans déconner, que pour ça! Oh, mais c'est le pire ce jeu, quoi. Voilà, donc. Pas de nouvelle exploration, donc. C'est là-dessus que je vous laisse. Donc, la prochaine fois, donc, on aura la suite donc, de Magistellus. Avec, du coup, le nouveau layout. Enfin, le nouveau, on va dire, avec la nouvelle team dans le layout, bien sûr. Avec les nouvelles stats qui vont bien. Parce que bon, c'est important de se mettre à jour quand même... de manière ponctuelle, d'autant plus qu'il y a des changements dans l'équipe aussi. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça devrait plus trop changer l'équipe en tant que telle pour l'histoire. Mais bon, sait-on jamais, ça peut tout peut se retrouver chamboulé tout de même. Bref, du coup, je vous dis. À bientôt tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Et on a réussi à finir cet épisode de... Ah, mais pourtant, il était parti nickel. C'est vraiment le tout dernier truc, quoi, qui a fait... Je comprends pas. Bref. Je sais même pas si j'aurais fait des coupes, d'ailleurs, ou pas. Vu la durée, ouais, je pense, mais... Honnêtement, j'en sais rien. Bref, tchuss tout le monde! Enfin, il voyait juste n'importe quoi, il était temps que je finisse ça.